إنكم يا صاحب الغبطة ستطبعون مع السادة الأساقفة كنيستنا المونريالية وأبرشيتنا الكندية بطابع البركة والنجاح، وذلك خاصة من خلال تبريدكم للأرض التي سيتم عليها بناء كاتدرائية المخلص في مونريال. إن هدفنا من خلال هذا المشروع هو ليس فقط بناء كاتدرائية الحجر، بل هو بشكل خاص بناء كنيسة البشر، جماعة ملكية حية قوية فاعلة شاهدة حاضرة وذات مستقبل طويل وزاهر. Pour cela, sa béatitude et les évêques Melkite imprimeront cette visite du sceau du succès et de la joie, particulièrement à travers la cérémonie de la première pelletée pour le... Notre objectif est non seulement qu'elle soit une cathédrale de pierre, mais aussi une église vivante d'une communauté Melkite unie, forte, active, rayonnante, authentique, fidèle, engagée, qui durera longtemps et aura un avenir prospère. Dans son exhortation apostolique Ecclesia in America, le regretté pape Jean-Paul II parle de la présence catholique orientale en Amérique. Il dit ce qui suit. L'immigration en Amérique constitue presque une constante de son histoire, du début de l'évangélisation jusqu'aujourd'hui. Au cœur de ces phénomènes complexes, soulignons que, ces derniers temps, diverses régions d'Amérique ont accueilli de nombreux membres des églises catholiques orientales qui, pour des motifs variés, ont abandonné leur terre d'origine. Une première vague migratoire provenait surtout de l'Ukraine occidentale. Par la suite, elle s'est élargie aux pays du Moyen-Orient. Il est devenu ainsi pastoralement nécessaire, dit le pape, de créer une hiérarchie catholique orientale pour ses fidèles immigrés et pour leurs descendants. Les normes émanant du Concile Vatican II que les pères synodaux ont rappelées reconnaissent que les églises orientales ont le droit et sont tenues par le devoir de se régir selon leur propre discipline particulière, ayant la mission de rendre témoignage à une très ancienne tradition doctrinale, liturgique et monastique. D'autre part, ces églises doivent conserver leur propre discipline qui correspond mieux aux habitudes des fidèles et semble plus apte à assurer le bien des âmes. Fin de citation. Et pour conclure, je voudrais remercier spécialement ceux et celles qui ont travaillé et qui se sont fatigués dans la préparation de ce congrès. Un merci spécial pour les dames Melkites de la cathédrale qui ont pris en charge cette belle soirée et qui ont commandité le banquet. Je demande à Dieu de les bénir et de leur accorder santé, joie et longue vie. Bienvenue à vous tous. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Monseigneur Ibrahim m'a demandé de parler en anglais. Et comme il est mon président cette semaine, j'obéis. Bon, avant de quitter l'Australie il y a quelques semaines, j'ai annoncé ma visite au Canada pour mon conseil pastoral, conseil pastoral de l'éparchie. À mon étonnement, les 40 personnes ont levé les doigts, ils voulaient venir avec moi. Ceci veut dire que les Australiens estiment beaucoup les Canadiens. Et je pense que si vous êtes dans le mondial, je serai avec vous. Bon, je voudrais vraiment exprimer ma joie de me retrouver parmi vous dans cette salle pour la deuxième fois.
la première fois avec Monsieur Hajar, où j'ai parlé de l'histoire de notre église Melkite et de l'avenir de l'éparchie du Canada. Voilà, vous êtes l'avenir. Your beatitude, distinguished guests, it is my great pleasure to be with you for the inauguration of the conference of the hierarchs of the Melkite Greek Catholic Church in America and Oceania, and to share this week with our brethren the manifold experiences of life and those countries, often at a great distance from the throne of Peter at Antioch. Indeed, our joy is made complete by the presence of His Beatitude, our beloved Patriarch. باسم أخوتي المطارني القديمين من الولايات المتحدة، البرازيل، فنزويلا، المكسيك، نشكر المطران إبراهيم الذي يستضيفنا في رحاب كندا والجهد الذي بذله لتكون إقامتنا مباركة بينكم. On behalf of my brother bishops who have journeyed from the United States, Brazil, Venezuela, and Mexico, I extend our most sincere thanks to Bishop Ibrahim, who has spared no effort in making us welcome here in beautiful Canada and in his holy parish. It was in 1996 that a proposal was made to convene a regular meeting for the bishops of America and Oceania. In 1997, we met for the first time in Sao Paulo, Brazil, hosted by Bishop Petros Moallem. For the second time, we gathered in Venezuela, enjoying the fraternal hospitality of Bishop George Zahirati Kahari, who will be with us tomorrow. In 2000, the third conference met in our great southern land, Australia, in our eparchial metropolis of Sydney, and in Melbourne, the capital of Victoria. Each of us involved in the Australian conference recalls it as the time of many graces and blessings. We have been left with treasured memories of days made rich in the fellowship of faith. من 10 سنوات من سنة 1996 انطلقت فكرة اجتماعات مطارنة أوسيانيا وأمريكا. وبدأنا أول اجتماع في ساو باولو بالبرازيل بضيافة مطران معلم، ثم في فنزويلا بضيافة مطران جورج كحالي زهيراتي. أما الاجتماع الثالث فقد استضفته في سيدني في أستراليا وميلبورن، في سيدني وميلبورن إخوتي المطارنة، فكان لقاء بركة لي والأبرشية. وما زال أبناؤنا وبناتنا في سيدني وميلبورن يتحدثون عن هذا الاجتماع الذي أعطى دفعا كبيرا لأبرشيتنا. In 2002, the fourth conference was held in the state hosted by سيدنا Bishop Noelia and Bishop Nicholas Sama. The principal reason for our periodic gathering is to enable the bishops of America and Oceania, and soon Europe, to share with each other their apostolic and pastoral experiences in what is, for each of us, a unique situation, and to do so as pastors
within the one church, confident of its unity in the faith and sure of its unfailing love. The second purpose of our meetings is to examine those areas common to each of our parishes, so that in the experiences of other communities, each of us might find that which is useful and effective in our apostolic endeavors as we proclaim the good news of Jesus Christ. Also, these all too few days will provide us with an opportunity to assure Bishop Ibrahim of our fraternal love, our support for his unceasing work in his holy eparchy. إذا الهدف الأساس من اجتماعاتنا هي تبادل الخبرات فيما بيننا، فكل مطران يغني الآخر بما عنده من تطلعات رسولية ورعوية، فنحن كنيسة واحدة قوية باتحادها، كبيرة بمحبتها بمحبة أبنائها وبناتها. والهدف الثاني من اجتماعاتنا فهو دراسة المواضيع المشتركة التي تساعدنا على تطوير عمل الرسالة والتبشير، كما أننا بوجودنا مع المطران المستضيف هي مناسبة قيمة لنعرب عن محبتنا ودعمنا له وبما يقوم به المشاريع لتكون أبرشيته مزدهرة. Above all, brothers and sisters, let us place ourselves under the maternal protection of the holy and the glorious Theotokos and the prayerful intercession of all the saints, and let us commend ourselves to Christ our God. Thank you very much. Time, I would like to invite His Beatitude to come and give the blessing before the meal. Sayyidina. I would ask everyone, please, to, if you have a cell phone, to please put it on vibrate or turn it off. Thank you. Nous sommes tous ici une famille, une forte et unie par la foi diversifiée qui nous réunit. Et je crois que la prière la plus appropriée pour cette soirée où nous réalisons ce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis parmi eux. Eh bien, je vous invite tous et toutes à prier ensemble la prière des millions et des millions à travers 2000 ans. Cette prière que le Seigneur nous a enseignée au Mont des Oliviers, où j'ai été très souvent dans la petite grotte des enseignements où le Seigneur a enseigné le Pater. Je vous invite à prier chacun dans sa langue. Cette belle prière où tous nous sentons dans la même famille et dans la même demeure du Père.